Bah, Fracture, c'était un film qui faisait 17 minutes à l'époque. C'est un film très, très, comment dire, futuriste. Avec une musique futuriste, un peu. Avec une musique comme on les aimait à l'époque. C'est Tangerine Dream. Terry Riley. C'était la musique qu'on écoutait dans les années 70. Oui, quand on fumait de la marijuana. Oui. Enfin, on ne fumait pas, nous. Enfin, c'est pas pour... Je veux dire, les gens disaient, mais c'est quoi ce film de drogué? Je dis, ben, c'est le film de drogué sans se droguer. Donc, sans drogue. Mais c'est parce que nous, on aimait donner libre cours à notre imagination, disons. Et puis on pensait que justement l'animation, c'est aussi cet avantage-là qu'il vous donne de pouvoir en même temps être une expression d'artiste sans vouloir être prétentieux et de donner libre cours à notre imagination.